retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo, comme vous avez vu dans le titre, c'est une vidéo haul que j'ai acheté à Cache-Cache, Kiabelli et je sais plus où. Voilà, donc je vous laisse avec la suite. Voilà, donc nous allons commencer par le premier haut. Qui vient de chez Kiabi. Je l'ai pris en M et c'est un haut de manche 3 quarts. En fait, vous savez, c'est le haut en queue de pied. Devant, c'est plus court et derrière, c'est plus long. C'est comme une sorte de tunique, quoi, à peu près. Comme ça. C'est ça que vous voyez. Alors, dessus, il y a écrit. I'm not perfect. I was born to be. Don't judge me. Follow me. XX and enjoy life and get ready. C'est une petite annonce. Alors, il a dû me coûter 10 euros. Il m'a coûté 10 euros, voilà. Donc, très bon produit. Je l'ai essayé, puis il est très très bien. En fait, il a un tout petit pour les filles qui veulent pas trop se voir, enfin voir les trucs. Il est vraiment transparent. Voilà. Donc, passons à la suite. Donc, c'est pas toute la même marque. Hein. Alors, deuxième haut qui vient de chez Cache Cache, la nouvelle collection. Ça s'appelle mon t-shirt. Je l'ai pris en 1. Il est trop beau, c'est un top crotte. Un top pot. Crotte. Trop beau. Il y a marqué. Feignasse mais efficace. Après aussi, il y avait chiante mais amusante, mais je ne l'ai pas pris. Il n'y avait pas ma taille. Donc il est comme ça, derrière comme ça. Très joli d'ailleurs. Voilà. Alors il m'a coûté 23 euros. C'est cher, hein, mais voilà. Excusez-moi. Voilà, et du coup, après je vous présenterai un autre objet, sauf que là, voilà, je l'ai sur moi. C'est une chemise. Comme ça. Rouge, en fait, il y avait une autre, mais c'était plus mal. Derrière, elle est comme ça, je descends. Une queue de pie, quoi. Donc, elle est comme ça. Et là, bah, les manches, c'est comme ça. Il y a une petite poche, ici. Puis voilà, donc celle-ci, c'était Kiabi. Je l'ai pris en M, elle m'a coûté 5 euros, je crois. Voilà. Alors, après, deuxième mot de chez Cache Cache. La Modening, donc ça fait, moi je trouve que ça fait vieille, mais j'aime, enfin c'est un peu le style des vieilles, mais j'aime bien. Alors vous savez, c'est les lieux comme ça, et je l'ai pris en taille 2, je crois, parce que vu que c'est une veste, donc il y a une petite poche normalement. Voilà, il y a une petite poche là, et l'autre côté, ouais, la même chose. Et puis il est très très bien, il tient pas très chaud, mais il faut le mettre avec quelque chose de sobre, hein, parce que sinon, voilà, ça passe pas. Et il m'a coûté 10 euros, je crois, il me semble. Voilà, donc avant-dernier produit. Bon, la vidéo ne va pas durer extrêmement longtemps, hein, mais je pourrais vous faire une autre vidéo. Donc si vous voulez que j'en fasse une d'ailleurs, une autre vidéo, dites-le moi dans les commentaires des idées. Dites-le moi ici dans les commentaires, là. Dans les commentaires. Et puis... n'hésitez pas aussi, bah je vous le dirai à la fin ça. Alors, je suis franchement trop contente. J'ai acheté un bomber, une sorte de bomber. Ah, c'est pas une sorte, c'est bomber mais dérivé. C'est trop bien. Je l'ai pris en S. Ah, elle est trop belle, franchement. Mmh. Ces couleurs comme ça là. Marron un peu. Et vert. Il est trop beau mon bomber. Attendez, je vais vous mettre parce que... il est comme ça. Donc il y a une poche là. Et là il y a une poche ici, là. Et ici. Mais en fait je fais vraiment bomber, hein, parce qu'il est bien. Hein. Enfin, il est. Et puis il m'a coûté. Alors celui-là il m'a coûté 14 euros. Mais en fait, je l'ai pris à la halle. Il m'a coûté 14 euros. Et il était vraiment pas cher. Hein. Mais on l'avait vu à bas prix. Alors, c'est un manteau d'hiver que j'ai pris. Ah, attention. Parce que la fourrure elle est grosse. Hein. Waouh. Ah, cric 38, hein, 38. Alors, la veste est vraiment trop belle. Est-ce que vous voyez là, voilà. Donc en fait, les manches, c'est trop bien. Attendez. C'est chiant ce manteau, hein. C'est chiant. Alors, comme ça. Franchement, elle est trop belle, la veste. Donc, vous savez, on ferme et tout. Donc, elle est un peu en queue de pied, elle aussi. Donc, on ferme. Et là, il y a des trucs pour attacher. Et la fourrure, elle est comme ça.
Elle est hyper épaisse. Sauf que là, on ne voit plus. Coucou! Voilà. Donc voilà. Hein. Alors, aussi, je voulais vous parler de mes cheveux. C'est pas du tout le sujet. Alors, en fait, vous voyez là, c'est un peu bouclé. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai pris un pinceau. Je veux que j'ai un lisseur, donc j'ai enroulé mes cheveux comme ça autour du pinceau et j'ai appuyé sur les boucles avec mon lisseur. Et du coup, après, j'ai enlevé et ça a fait boucle, j'en ai fait partout là. Et voilà, donc c'était une petite astuce si vous voulez voilà, le faire. Puis je vous ferai peut-être un petit tuto, hein, un petit tuto prochainement pour vous montrer comment je le fais quoi. Voilà. Alors, dernière info, voilà. Donc, si vous avez des idées à me proposer, des vidéos, mettez-les en barre d'infos dans les commentaires, parce qu'en barre d'infos, c'est moi qui le mets, excusez-moi. Et n'hésitez pas à aimer, commenter, partager avec vos amis, ou faire ce que vous voulez, à s'abonner, etc. C'est vous qui décidez, donc je vous retrouve pour une prochaine vidéo, et n'oubliez pas, c'est vous les meilleurs. Non, c'est une blague, ça c'est Thibaut et Jeb. Non, n'oubliez pas, c'est moi la meilleure.